The iconic G1 point north on each specially crafted blade. When the war ended, Gillette began to innovate at an astonishing pace. The Super Speed Razor, the first twin blade shaving system, the first razor with a pivoting head, and the first spring mounted blades for comfort. The cascade of sports is on the air. In 1942, we brought America the cavalcade of sports, which would cement Gillette's bond with sports culture for decades to come. Then NASA came calling. Due to the thinness and strength of Gillette's steel, NASA began using power blades to test the strength of their lasers, measuring them in Gillette's. Perhaps it is. Quand même que Gillette est une gamme de rasoirs qui fait aussi des rasoirs dédiés aux femmes, qui ont été conçus pour les femmes, qui sont adaptés aux femmes, sous la marque de Vénus, qui aujourd'hui d'ailleurs est leader dans son segment, que ce soit au Maroc ou à l'international. Fierté, c'est une grande source d'inspiration que de collaborer avec elle. C'est aujourd'hui quelqu'un, c'est pour la première fois qu'on va voir que Gillette signe un ambassadeur au Maroc d'un nom aussi important. Donc on est vraiment fiers, que ce soit pour la compagnie Gillette, mais pour l'ensemble, je pense. Différente. Alors, j'ai un scoop. Vous allez connaître le premier transfert du mercato estival d'une des stars de l'équipe nationale du Maroc. Gillette au niveau mondial. C'est pour ça que c'est une raison pour nous de faire la promotion du football au Maroc. Nous avons fait depuis 20 ans, comme la vidéo le montre, nous allons supporter les championnats locaux de Botola. Nous avons participé à la reconstruction de plusieurs terrains de football à travers le pays avec l'aide des communes pour permettre aux jeunes de jouer au football au Maroc. Nous avons même inscrit par le passé des jeunes dans des clubs de football professionnels pour pouvoir évoluer à l'international. Déjà, merci beaucoup d'être là. Ça nous fait vraiment énormément plaisir que vous soyez tous autour de nous. Nous, ça nous fait plaisir d'avoir signé cette année Yassine Bono, notre star nationale. Il représente aujourd'hui tous nos espoirs avec l'équipe nationale. D'ailleurs, nous lui souhaitons plein de succès à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale. Quand la marque numéro 1 s'associe au jour numéro 1, il ne peut y avoir que le khair, Inch'Allah. On vous enverra tous les autres détails à travers notre communiqué de presse. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'est super plaisir d'être le premier Marocain à représenter cette grande marque ici au Maroc. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous tous. Alors, il y a un photoshop juste à votre gauche. Yassine, s'il te plaît.